Parfois, ça peut être intéressant d'avoir un vieux four avec des vieux composants, ou tout du moins un four avec des composants anciens qu'on peut réparer. Celui-ci a des relayages à l'intérieur pour changer de puissance. Et ces relayages s'usent, se calaminent. Et voici l'outil magique qui m'a permis de redémarrer ce four, tout simplement en enlevant les capotages, bien entendu le four débranché, et en passant un petit peu de papier vert à l'intérieur du relayage, on arrive à dégommer les surfaces et ça fonctionne très bien parce que vous voyez, ça fait un flash. Donc j'en profite après pour changer la prise parce qu'il n'était pas très bien installé à la base. Il y avait un domino que j'ai enlevé et il y avait une prise qui était mal montée. J'ai monté une prise standard, une prise 20 ampères, et le four est reparti pour plusieurs années.